Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Il a fait très froid, très humide. J'ai dû mettre un sac plastique sur mes pieds parce que tout est trempé. Même l'autre chaussure aussi est complètement trempée. J'ai pas réussi à faire sécher quoi que ce soit. Donc aujourd'hui au menu, on va se faire une petite marche. Et puis on va essayer de récupérer en fait le canal de Briare qui longe une bonne partie du Loiret et qui emmène directement en Seine-et-Marne et ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, pour le moment, rien de tel qu'un bon thé chaud avec du gaz en plus. Moi je suis en train de ranger mon sac de couchage. Et par-dessus, je mets des sacs plastiques. C'est toujours mieux que rien. Et alors, je vais le doubler de toute façon. Voilà, je commence à me préparer gentiment. J'ai remis mon petit matelas qui m'a quand même bien dépanné cette nuit, qui est pas lourd et qui est vraiment gain de place. Bon, il est moins bien rangé qu'à l'origine. Il le plie de la même manière qu'une couverture de survie en fait. En plusieurs parties, un peu comme un journal. Quand même un gain de place. Phénoménal ce truc. Hop. Voilà. Et c'est parti. Emballé, c'est pesé. Le kayak est rangé, enfin. Ça n'a pas été de tourpeau parce qu'il est encore humide. Mais comme je vais pas loin, je vais pouvoir le déplier, comme ça il n'aura pas le temps de pourrir. Il manque ça. Je vais mettre le petit chariot. Mon sac, il est fait. Gilet de sauvetage, il est là. La tente, faut la replier. Et après, rouler jeunesse. Emballé, c'est pesé, au millimètre près. Je pense que ça va certainement se casser la gueule. Il y a le bidon derrière qui tient, je ne sais comment. La tente qui est mise là, le trépied, Heureusement que Chouchou m'a fait cet aménagement pour le chariot, parce que j'aurais pas pu. Donc, moi, en clair, ce que je vais porter sur roulette, c'est ça. Bon, les roues, ils font la gueule, à mon avis, ça va casser. J'aurais même pas fait 100 mètres. On va croiser les doigts. Le sac, autour de moi. Et le kayak derrière mon dos. Et en clair, les amis, j'ai déjà le gilet de sauvetage, 2-3 affaires sur moi. Et puis voilà, je suis en route. Je suis en route tout doucement. On se tient au courant. Chose est sûre, les amis, c'est que je vais pas perdre de temps. Regardez-moi ça. Sac sur le dos, sac ici, gilet de sauvetage, tout le matos ici. Je suis ruiné, il y a plus de 50 kilos. Hier, on avait 60, on est à 55 kilos. Peut-être que j'ai retiré un peu d'eau et tout. Et puis 2-3 trucs, mais allez, je perds pas de temps, on se retrouve sur la route. Les amis, c'est vraiment très éprouvant. Ça roule pas. Je me suis gouré de direction, j'ai perdu 400 mètres. J'ai très chaud, je suis oh là là, dans un état second. Mais vous inquiétez pas, je vais prendre une pâte de fruits que j'ai toujours, un peu de sucre, et puis voilà. Je viens de poser mon kayak 100 mètres plus loin. Je vais reprendre ça à la main. Le reste, parce que je me suis encore trompé de direction. Merci le Maps à la con. Et ouais, je suis encore dans la mauvaise direction. J'allais rentrer chez quelqu'un là en fin de compte. Là en fait, il faut que j'aille là-bas. Il y a un clocher et tout, ça amène certainement une route. Je viens de récupérer une route. Il y a un clocher, c'est ça que j'entendais dans la nuit. C'est un délire, j'en peux plus. Là, il y a une route. J'ai croisé un gros sanglier de l'espace en plus. Et j'ai à peu près encore 2 km d'eux. Avant de peut-être rejoindre quelque chose, parce que là je comprends rien du tout. GPS ne dit que des conneries. Regardez-moi cet arbre énormissime. J'essaie de filmer, mais c'est pas simple. Du coup, j'en profite pour faire quelques petites séquences vite fait, pour que vous puissiez voir derrière vos écrans la marche commando de l'espace-temps. Toujours debout comme Renault. Ta-ta-ta. Je vous remercie, madame. Au revoir. Il y a une dame qui vient de m'aider à ouvrir.
Du coup, ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est bitumé, donc ça va être plus simple. Bon, apparemment, c'était une propriété privée, mais bon, malheureusement, personne ne m'a rien indiqué. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué de sortir du loin comme ça et de pas savoir où on va. Il y a des chemins, le map, s'il te dit d'aller là, en fin de compte, faut pas aller là. Donc, j'ai demandé aux propriétaires, aux gens, ils m'ont très bien reçu, ils voulaient me payer un café et tout. Ça me rappelle ma traversée de France à pied, c'est incroyable. La dame a été très très gentille avec moi, j'ai dit je suis désolé. Moi, c'est bien, il faut, quand c'est une propriété ou un problème, il faut aller voir les gens, leur expliquer la situation plutôt que de partir et se faire gauler. Donc voilà, enfin, mon intention n'était pas de faire des conneries, mais bon, pour me sécuriser derrière, quoi. Voilà. J'ai les bras en compote. Je viens de sortir de cette route qui mène du coup à une autre route pour récupérer le loin et le canal de Briard. Donc là, c'est très très compliqué, il reste encore 700 mètres. J'ai récupéré le loin, les amis, ça y est. Le truc, c'est que c'est toujours pas accessible correctement. Je vois qu'il y a un arbre au bout là-bas qui est aussi sur le truc. Là, il n'y a pas de fond. C'est pas les bons spots pour aller vraiment en direction 17-7 et tout. Il faudrait plus aller vers Nemours. Là, ça serait plus intéressant. Nemours, Bagnaud-sur-Loing, tout le tralala. Là, par contre, on a le canal de Briard à peu près 70 mètres sur la route. 100 mètres, on va dire. 200, ouais, un peu plus de 100 mètres. Donc, il faut encore faire cet effort-là. Et en plus, ici, c'est très dangereux. J'avance pas avec mon chariot, là. Même quand je fais les cours, j'avance plus vite. Après une montée incroyablement longue et dure, qui a duré au moins 2 km avec tout le matos, j'ai trouvé enfin le canal de Briard. Et en plus, là-bas, il y a une table avec des chaises et tout. Et une poubelle, ça va être parfait pour mettre mes détritus. Détritus. Et puis bah, je vais passer là et puis je vais voir si je peux aller jusqu'à Conflans-sur-Loing. Voilà. Ensuite après je pense que je serai trop cramé. Voici le spot pour le midi. J'en ai bien chié là, je l'ai bien mérité. C'était oh là là, un truc de fou. En plus j'ai ma bonbonne de gaz qui sent. Je ne sais pas si c'est la bonbonne ou le mécanisme au-dessus, mais ça puait tout le voyage à pied. Du coup, en plus, j'avais mon sac de sport au niveau des épaules et au niveau du ventre. Ce qui fait que j'avais tout le gaz en plus que je reniflais. C'est pas très agréable, quoi. Voilà, bon, j'ai mis mon kayak ici, le sac à côté. J'ai balancé tous les déchets dans la poubelle. Ça tombe très bien. Là, je vais me faire un petit repas. Rillettes de thon. Frit à la forestière, j'avais pris ça, c'est de la bonne qualité en plus. J'ai bu pas mal d'eau, ce qui fait que ça m'a enlevé pas mal de poids. J'ai bu un Powerade, une petite boisson énergisante qui sans taurine, sans rien. Et puis voilà, on fait de la place, ça retire quand même presque un kilo déjà. Donc voilà, après plus qu'à aller dans le canal, mais pas dans cette direction parce que du coup c'est un peu trop bas par ici. Faudrait que j'arrive à descendre tout au fond là-bas pour voir déjà si c'est possible ou pas. Voilà, voilà. Et si j'en ai la force, bien sûr. Mais en tout cas, je vais me donner tout pour essayer d'y aller. Voilà. J'ai tout donné pour me sortir de ce merdier. J'ai vraiment tout donné. Même eux, ils sont contents, il y a du soleil. Ils sont bien là. T'as rien que de tenir mon téléphone, ça me défonce les épaules. Le soleil est au rendez-vous. J'ai remis des plastiques sur des nouvelles chaussettes. J'ai les pieds trempés. Et le comble en plus, c'est que j'ai perdu une grolle. Et pas n'importe laquelle. J'ai perdu une chaussure de aquatique là. Donc, ce qui fait que bah, j'en avais plus qu'une, donc je l'ai balancé à la poubelle, ça fait chier quoi. Parce que c'est vrai que mon caddie il est tombé 2-3 fois, et à mon avis c'est ça, il est sorti. J'ai les mains dans un état, elles sont abîmées sales. On a quitté le spot du pique-nique, on se retrouve sur une piste cyclable face au canal de Briard, et puis nous on va continuer notre chemin. Je suis en train de faire le petit apéro là. Si les gens ils me regardent, ils vont flipper, ils vont se dire c'est quoi ça encore. Ça, c'est pas possible, il y a une maison et en face il y a encore plein de canards partout, j'ai déjà pas pu dormir cette nuit. Ouais, je m'en tape moi.
J'ai coupé mon petit apéro, tranquillou, faire plaisir, reprendre des forces. J'étais planqué mon matos ici. Je sais pas si on verra. Pas gai normalement. Là. Avec le sac. Voilà. Perdu ici. Regardez-moi tous ces hectares. C'est mes toutous qui seraient contents ici. Mais vous inquiétez pas, j'oublie personne. Les toutous. Je les ai déjà certainement revus. Étant donné que le road trip se fait en deux parties. Si vous n'avez pas vu la première partie d'ailleurs. Bon, il y a plein de moustiques. Je vais mettre le reste. Mettre quelques piquets encore. Préparer un peu mon matos, mettre ça là-dedans. Puis voilà. Hein. Ça en fait du matos. Hein. Bon, j'ai mis ça à l'arrière. Comme ça, demain, je me prendrai pas la tête. Je ferai au mieux. Je fais attention avec la rosée du matin. Donc, j'ai mis un petit support sur le sac. Le kayak, bon, voilà. Hein. Et puis, il fait trop humide pour tout. Je laisse sécher de toute façon. Ça, c'est bon. Ça, c'est OK. Je rentre tout ça là-dedans. Le chlasse avec, au cas où. Et puis, voilà. Hein. En espérant qu'il n'y ait pas trop de sangliers, pas trop... Putain, il y a plein de bestioles, plein de moustiques. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On a connu pire. Et puis voilà, allez, je rentre tout le matos. Et puis, bah, rendez-vous dans la tente. Quelle vue juste incroyable. J'ai laissé le petit réchaud là. Parce que, il sent un peu le gaz. Et j'ai pas envie de faire de la merde. Allez, on ferme la boutique. Histoire d'avoir la petite vue. Et après, on fermera le reste. En direct de la tente, il est presque 22-23 heures par là. Petite lumière au-dessus, il n'y a plus de lumière, plus de pile. Il y a énormément d'humidité qui s'est mise sur les parois, c'est infernal. J'ai mis des sacs poubelles, j'ai mis tout ce que j'ai pu au-dessus de, au-dessus de mon sac de couchage. Parce qu'en fait, le truc, c'est que bah, il y a l'humidité qui est en train de tremper mon sac. Je commençais à ressentir l'humidité dans mes pieds et tout. Enfin, c'est pas très agréable. Tout est humide, c'est infect vu que je suis au milieu d'un champ et qu'il y avait du brouillard en plus tout à l'heure. Ils annoncent soleil demain, donc on va profiter de ce soleil et de cette nuit pour se ressourcer. Donc moi je vous dis à demain, et ben à demain pour prendre le thé, puis après direct dans la flotte, dans le canal de brouillard. Et c'est le matin les copains. Ah. Je viens de mettre un petit chargeur solaire, une petite batterie solaire parce que j'ai plus de batterie. Je vois qu'il y a du soleil qui arrive en espérant que ça me le charge sur le kayak. Il a fait bien froid, bien humide. J'ai préparé le petit thé, tout ça, rangé mes affaires. Commencé à préparer gentiment le kayak et tout. Et puis voilà, on va se mettre sur l'eau. C'est l'heure du dégonflage et du repliage. C'est un peu le bordel, mais on va remettre ça en ordre vite fait. Le petit thé qui m'accompagne ici. Avec le petit bidon qui fait office de chaise en clair. De tabouret. Ça va bien, ça le fait bien. Tour sur la terre ferme, on a replié toutes les affaires. Enfin, voilà, face du canal. Prêt à y aller, je vais faire une petite pause qui fait déjà très chaud. Le soleil est avec nous. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir sortir le kayak, le laisser sécher un petit peu. Et puis le mettre à l'eau. Rien de tel que dès le matin. Pour entretenir le physique et le cardio. Avec l'installation déjà, c'est cardio. Allez, 1,5 PSI ici les amis. Et ben les copains, presque prêts à embarquer. Quelques affaires encore, j'ai fait un nœud ici. Le soleil est avec nous. On va pouvoir recharger les batteries, c'est qu'à le dire. Donc voilà, vitamine D et puis batterie pour charger le téléphone. Et voilà, presque tout est prêt. Donc bah voilà. Eh bien c'est parti, nous on est prêt à y aller, il est 11h30. Je détache mon nœud de l'espace-temps. Et puis après on se rejoint sur l'eau les amis. Faites pas attention à mes sacs plastiques sur les chaussettes, c'est normal. Voilà. Bon bah malheureusement par contre j'ai pas retrouvé mon chargeur solaire. Il doit être planqué quelque part. Bon, en espérant que j'ai assez de batterie avec mon téléphone.
Et ça navigue, ça navigue. Petite barre protéinée, petit power red. J'en ai pris une ce matin aussi, 20 grammes de protéines, là ça fait 40. Ça va me faire du bien. J'avoue, j'étais pas très en forme. C'est très calme, c'est plus dur à pagayer, il n'y a pas de courant vraiment violent quoi. Mais j'ai déjà fait au moins 1,5 km facile, large. Alors si je me gourre pas les amis, ce que je vois là-bas, c'est une écluse. J'ai pas l'impression que j'avais fait autant de kilomètres d'un coup, c'est vraiment que j'ai speedé. J'étais en vitesse, je pense, en moyenne, pour un piéton, c'est 5 km/h, je crois, à peu près. Je devais être à 10 alors. Donc en fait, j'ai multiplié le temps et les kilomètres fois 2 en vitesse, ce qui fait que c'est pour ça que je suis déjà à 500 mètres à peu près de l'écluse. Bon, ben, je me suis mis là, en fait, tout simplement parce qu'il y a une écluse. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire un gros plan. Et donc, je sais pas s'il y a une autre écluse plus loin, il faut que je voie ces numéros combien, quel est le nombre, et surtout savoir sur combien de temps, à peu près je dirais 20-30 mètres le temps de ressortir. Il faut que je vois si je peux utiliser mon petit truc pour le kayak, l'amener jusque là-bas, voir vers le feu rouge, là si je peux pas sortir direct. Je vais aller voir ça, je pense, peut-être à pied, ça pourrait être intéressant. Bon, j'ai déchargé une partie de mes affaires, ici. Je tiens bien la corde, je fais gaffe, parce que du coup il y a l'écluse ici, je vais essayer de sortir. Il n'y a pas beaucoup de fond là. Ouais. J'ai presque pu sortir avec mes chaussures si je les avais eues, si j'en ai pas perdu une. Voilà, écoutez, on va faire ça comme ça. Hein. Ça y est, bah, je suis sorti facilement, très facilement. Même. Donc ce que je vais faire, c'est que bah, je vais mettre un bout à pied là-bas, hein, puis je vais prendre le truc, on va voir ce qu'on peut faire, et puis on va essayer de le faire. De faire rouler avec ça. Et puis si ça marche pas, je prendrai affaire par affaire et j'irai au bout là-bas, c'est tout. Comme ça, on va passer l'autre partie de l'écluse et on verra ce qui se passe après. Bon, bah l'écluse, hein, voilà. What? Ah ouais, quand même. Ouais, je pense pas qu'ils vont utiliser tout le mécanisme et tout le matériel pour juste moi. Bon, j'ai laissé le kayak là-bas, je fais un petit tour. Putain, j'étais là et je... Il y a une autre écluse là-bas. Bon, je sais pas si on la voit. Ah, moi je vais pas faire ça 50 000 fois. Je vais voir si je peux tout simplement mettre le kayak le plus loin possible là-bas et juste après la deuxième écluse. Après normalement c'est peut-être mieux. Ça j'arriverai vers Fontenay-sur-Loing. Et ben allez, c'est parti. Ça y va. Combien de temps j'en sais rien, mais ça y va. Alors maintenant le truc c'est, est-ce que je vais pouvoir trouver un endroit exprès pour sortir le matos et sortir le kayak, ou un spot pour pouvoir se poser et tout ça, ou j'enlève le matos, je prends mon petit diable là, le truc à course, et puis j'essaie de faire rouler le kayak comme ça vite fait, le temps de passer l'écluse, voir si bon bah, s'il y a une autre écluse après, ça sert à rien que je m'amuse à faire ça 52 fois, hein, parce que le problème du canal c'est passer les écluses sans arrêt, donc on va voir si on peut... Si on peut remonter facilement. Il faut vraiment une sacrée condition physique. Surtout que j'ai mal partout, j'ai des tendinites dans tous les sens. J'ai mis encore un peu de poids sur moi. Je pense que je vais reprendre un autre sac. Ça sera moins lourd à tirer après. Et après, c'est vrai que j'ai quand même vidé pas mal de flotte, pas mal de trucs. Il me reste très peu de nourriture. Et j'ai pris qu'un billet de 10 euros sur moi. J'ai rien pris d'autre. Bon, on est parti pour 500 mètres jusqu'à la prochaine écluse. C'est pas possible, je fais plus d'un kilomètre. En tout, je pensais que c'était la dernière écluse, je m'attendais pas à ce que l'autre soit si près. Ah, il y a des chevaux là, qu'elle soit si près, encore de là. Faut que je vais me remettre à l'eau, je vais ressortir parce que c'est trop physique. C'est sûr que c'est pas pareil que si je portais tout d'un coup. C'est très haut le kayak pour que les roues de la chariote là elles finissent dessus et que ça touche pas les ailettes en dessous. Donc, du coup, ça force énormément sur les épaules. Comme vous le savez, les épaules là sont plus trop rendez-vous, on n'est plus trop épaulés. Alors épaulez-moi les amis. Ils sont beaux les loulous. Ils sont un peu intrigués par moi. Ça fait comme quand j'étais sur le loin dans la première partie. Il y avait des chevaux très intrigués, qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de kayak. C'est très volumineux pour eux, c'est balèze. Bon après, il y a des bateaux qui passent, mais depuis tout à l'heure, j'ai du mal. Bon, alors moi je me suis posé là.
Je pense que je vais me faire à bouffer. Et après, je verrai. Je vais me remettre dans l'eau et je ressortirai là-bas. Me voilà sur des marches devant l'écluse avec le kayak qui a roulé, bah, avec le truc à roulette. Le pire, c'est que ça, on entendait les roues qui tournaient, ça les a nettoyées. Donc voilà. Ensuite, il faut que j'aille de l'autre côté. Et ensuite, après, il me restera 2 ou 3 km, je crois, pour atteindre le point de destination. Voilà, voilà. Où Chouchou va venir me récupérer parce qu'il faut bien quand même que je rentre pour l'aider. Même si je l'avais bien aidé avant de partir. Et surtout qu'elle avait du monde aussi pour l'aider pendant que j'étais pas là. C'était notre arrangement. J'ai encore de contourner l'écluse. Le caddie commence à se coincer de plus en plus. C'est galère parce que ça freine d'un coup. Et il y a une autre écluse encore là. De ouf. Désolé pour l'image. J'en ai vraiment marre. Du coup, plutôt que de le remettre à l'eau pour si peu, je vais le faire en plusieurs fois, tant pis. Je vais surtout m'arrêter manger dans un des chemins là, parce que j'en peux plus, les 14h, j'ai rien bouffé. Et ensuite, on va continuer à pied. Et il me semble qu'après, on est à l'écluse numéro 30. Et de la 30 à 31, il y a 2,5 km de navigation avant d'arriver à Conflans. Donc comme ça, au moins, c'est la dernière écluse avant 2-3 heures de navigation, je pense. Allez les amis, c'est presque la fin. Il faut que j'aille à l'autre écluse là-bas. Ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit, là, c'est le petit repas. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis de l'eau au bain-marie, un petit truc de là-dedans pour manger. Et puis ça va chauffer au bain-marie tranquillou. Et puis voilà, malheureusement, pas de soleil, donc je vais pas pouvoir recharger mon tel. Je pense que ça va vous faire une vidéo de l'espace. Ça sera une grosse vidéo, partie 2. Et puis voilà, puis après, Chouchou demain vient nous récupérer pour 10-11 heures. Regardez ce que je vois. Pendant que je suis en train de tirer mon truc, il y a encore des poissons qui sont vivants, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'apparemment c'est un pêcheur qui est venu, j'ai demandé qu'ils ont laissé des poissons. Il y en a quelques-uns de vivants, donc je vais les remettre à la flotte rapidement. Je sais pas ce que c'est, mais ça c'est mal, ça c'est méchant ça. Je vais voir ce que je peux récupérer, il y en a un qui bouge là. Je vais me dépêcher. Allez, j'en ai remis au moins déjà une dizaine. Hop là, il nage, c'est bon. Écoutez ce silence. J'aurais pu sortir ma petite GoPro là, enfin la sous-marque, mais malheureusement elle est cassée, ce qui fait que j'ai peur qu'elle prenne l'eau, donc du coup je peux pas tenter. Donc voilà, pour les premières et deuxième parties, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai filmé en même temps, je suis un warrior parce que filmer en même temps d'escalader des troncs d'arbres et des trucs de ouf dans la première partie, là la deuxième, pff, ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de tout filmer, donc j'espère que j'aurai des retours positifs. Cette expérience m'a fait vraiment plaisir. Quelque part, on l'a vécu tous ensemble, derrière vos écrans et pour certains au téléphone, par message. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Dans 1 km à peu près, on arrive à destination. Donc ça sera la dernière destination. Par contre, il va falloir trouver un abri, vers l'écluse ou je sais pas, et se poser pour la nuit, quoi. Et puis demain, Chouchou, hop, elle vient nous récupérer. Moi, le kayak. Dernière ligne droite, les amis. On y est, ça y est. Dernière écluse. Maintenant, il faut trouver le spot. Mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Désolé pour la qualité de l'image. Il fait nuit, il va certainement flotter. C'est la fin du road trip après plusieurs jours, du coup. Merci d'avoir suivi la première partie et cette deuxième partie. Merci à vous tous. Merci pour les commentaires à l'avance parce que je sais qu'ils seront nombreux et positifs. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien de partir, de me ressourcer un petit peu aussi. J'avais bien avancé dans le boulot avant de laisser Chouchou, donc je ne l'ai pas laissé dans la merde. Elle avait du monde en plus pour l'aider. On avait trouvé ça comme un accord. Donc voilà, allez, moi, retour du coup chez Chouchou. Et puis demain, retour au crottin et tout le tralala. Mais ne vous inquiétez pas, l'aventure Yann Aubry n'est pas vaincue. Et la chaîne non plus d'ailleurs. Allez, on se laisse. Bise à vous, bise de Chouchou, bise de Baby Nomad, bise de tout le monde.